Salut tout le monde, c'est Shidou, j'espère que vous allez très bien. Comme l'habitude, la vidéo H HM manga de la semaine, belle petite pile à ma gauche, parce que comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, je n'ai pas pu recevoir la dernière commande. Parce que voilà, j'étais pas là, donc j'ai dû récupérer que dans le courant de la semaine. Non Ce qui fait que bah, 4-5 mangas se sont rajoutés à la petite pile. Donc, en plus des achats prévus normalement pour la semaine. Donc, c'est parti. Le premier tome à vous présenter, c'est du nove Graphics. Ça fait un petit moment que je voulais le relire, celui-là, parce que la série, bah, il y a la deuxième saison. C'est le... le manga Girlfriend, Girlfriend, le magnifique tome 6. Donc, euh, bien content qu'il soit arrivé, parce que du coup, avec l'animé, bah, L'anime a pris beaucoup plus d'avance que le manga, donc euh, bien content que celui-ci est arrivé. Un autre tome que j'attendais depuis euh, déjà quelques temps quand même, parce que c'est le Sexy Cosplay Doll, tome 12. Voilà, bon qui est un petit peu corné avec la pluie, mais bon c'est pas grave. Euh, voilà, donc on retrouve Marine. Euh, je pense dans un cosplay de Noël. <laughs> ou tout simplement en période de Noël. Il hein, faudra que je revoie un petit peu euh, la série. Parce que du coup, je me suis arrêté au tome 10. Niveau lecture. Donc, euh, au revoir. Enfin, c'est complété. C'est une série que j'avais lancée. Bah, il y a déjà un an, un an et demi maintenant. Mais que j'ai eu l'occasion d'être à jour au niveau sortie. Il y avait un, on va dire, un gros fossé entre les premiers tomes. Et les derniers tomes que j'ai pu me procurer. C'est la série... Les carnets de l'apothicaire. Voilà, je suis enfin à jour avec le tome 10 et le tome 11. Voilà, c'est les deux mangas, enfin les deux titres qui manquaient pour être à jour pour la série. Donc là, je sais, je pourrais lire tout euh, d'une traite. Ensuite, euh, on va attaquer un petit peu du Meian avec le tome 3 eh bien, de la série euh, Silver Plane, Ma seconde chance. Voilà donc, euh, c'est une des nouvelles séries que j'attendais de prendre le numéro 3 pour euh, attendre de lire tout simplement pour voir si c'est une série qui allait me plaire. Finalement j'ai lu les deux premiers tomes et franchement ça m'a beaucoup plu donc à faire à suivre. Je complète aussi notre série pareil qui a eu l'animé euh, durant la saison dernière et eh bien qui a fait que je me suis euh, rapproché ressemblé, excusez-moi, euh, approché. Du manga, mais c'est pas encore tout à fait à jour. Donc là, on a The Wanted Undead Adventurer, donc le tome 10. Euh, sachez que je suis vraiment pas du tout à jour <coughs> niveau sortie pour la série parce que j'ai juste le tome 5, le tome 7, le tome 10 et le dernier, le tome 11 qui est sorti. Donc il manque vraiment les premiers tomes que j'arrive pas du tout à trouver en magasin. Va falloir que je les commande sur Internet donc lors d'une prochaine commande pour la série, ensuite, euh, jaquette brillante avec le tome 4, et eh bien, de Toenuyu, euh, to pas facile à dire, voilà, donc, euh, magnifique jaquette euh, violette, donc, pareil, j'ai pas encore commencé à lire cette série-là, mais, tome 4 est arrivé, donc, forcément, je vais pouvoir le lire, ensuite, un isekai, je pense qu'on va enchaîner quelques isekai, euh, pas tant que ça cette fois-ci mais nous avons le tome 11 et eh bien de réincarner dans un autre monde voilà donc le tome 11 est toujours aussi beau euh, toujours dans la même style graphique que et eh bien les autres tomes de la série ça en change pas non déjà 11e tome pareil c'est à dire ensuite presque à jour parce que j'ai pu me procurer trois mangas de la série Yasei no last Boss voilà donc j'avais le tome 1 le tome 2 et le tome 3 lors de la commande j'ai pu me procurer et eh bien le tome 4 voilà donc il me manque du coup le tome 5 le tome 6 mais je suis normalement à jour sur la série avec les sorties et eh bien du tome 7 voilà donc il est assez costaud quand même celui ci et le dernier sorti si je me trompe pas c'est le tome 8 donc que voici donc pareil, il manque juste 5, 6, et de souvenir, je crois qu'on est à... le huitième, c'est le dernier, mais je pense qu'il y a le tome 9 à vérifier. Donc écoutez, euh, voilà. Alors là, on va attaquer un petit peu tout ce qui est euh, de la commande. Voilà, donc il y avait le tome 4 de Yassine Boss dans la commande, mais là, tout le reste de la pile, c'est la fameuse commande que j'ai pas pu récupérer tout de suite. Je suis content, j'ai enfin le dernier tome de la série, dont de High School Didi. Voilà, donc c'était le dernier tome qui me manquait. Je suis bien content de finir la série. Au moins, comme ça, c'est complété, c'est à jour. Voilà, bon, il est pas forcément dans son bonjour, le tome, mais bon, voilà, c'est déjà une série qui est déjà quelque temps. Alors là, j'étais très surpris, mais à chaque fois que je commence sur le site Comptoir du Rêve, voilà, j'achète généralement là-bas pour les commandes internet, il y a forcément. Un tome offert, donc j'avais pu récupérer euh, le premier tome de Twin Star Exorcist lors de la dernière commande qui remonte à peut-être deux mois maintenant. Et cette fois-ci, c'est une, bah, une série que je voulais commencer. Bah, justement, ils m'ont on offert le premier tome avec le premier tome de la série Machel. Alors on est sous casé euh, Écoutez, moi, ça ne me dérange pas de couper entre case et Crunchyroll. Du moment où on a une partie vraiment casé et une autre partie Crunchyroll. Là où j'hésite encore à lancer sur pour l'instant quelques séries que je vais encore faire, c'est que euh, par exemple si on, on prend euh... ah, je me rappelle plus du tout. En tout cas si on prend certaines séries, c'est que il n'y a pas forcément tous les tomes qui ont, qui ont une jaquette Crunchyroll. Qui, ce qui fait que quand si je commande la, la jaquette... Je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas des coupures entre deux casés avec un crunchy roll au milieu. Donc c'est pour ça que pour l'instant, je mets en stand-by. Mais moi, ça ne me dérange pas s'il y a une vraie, une vraie partie casée au début et qu'on finit avec du crunchy roll euh, sur la fin. Donc avec une série à jour ou terminée. Ensuite, voilà, donc là, c'est pareil. Hein, c'est pourquoi j'avais fait cette commande de base. C'est par rapport au tome 5 avec la jaquette. Pour les carnets de la en quête à la cour, voilà. Mais celle, eh bien, jaquette offert pour euh, le comptoir du rêve. C'est une jaquette que je trouve assez jolie. Qui est un petit peu dans le même style de couleur que le tome 4. Qui était du coup bleu, si je ne me trompe pas. Euh, malheureusement, je n'ai pas la série sous les yeux. Ouais, c'est ça. Il était bleu. Voilà. Donc écoutez, pareil, bon, ça fait une jaquette en plus. Hein, écoutez, hein, ça se prend. Euh, en plus, allez, on commence, les, on commence et on termine avec, on va dire, les parties un peu plus, voilà, publiques et avec le tome 6, eh bien, de World and M. Voilà, donc, pareil, c'est une série que <laughs> j'ai commencé il n'y a pas longtemps. Euh, pareil, bon, euh, vu, on va dire, le style du manga, c'est un peu difficile de se procurer en magasin euh, les tomes, étant donné que c'est Très peu d'exemplaires à chaque fois. Donc, euh, je suis obligé de passer par Internet pour me procurer la série. Et donc, euh, la série, on va dire, coup de fil, que je dois absolument rattraper cette année avec les deux prochains tomes qui sont du coup les deux derniers de la vidéo. Avec le tome 11 de chez. Oh, Excusez-moi, le tome, il a fallu se casser la gueule. C'est bien. Donc, avec le tome 11 de Trinity Seven. Et. Oh, je vais le mettre là. Du coup, le tome 12, voilà, donc c'est les deux tomes, on va dire, que j'ai pu acheter pour cette commande-là, donc il me manque énormément de tomes encore à rattraper, donc du tome 13 au tome 25, donc ça fait plus de 15 tomes, euh, non, qu'est-ce que je dis Ouais, on a encore 13 tomes à rattraper, donc 13 tomes, c'est énorme pour la série donc euh, voilà, c'est vraiment Auditive 2024, rattraper la série Trinity Seven, euh, que j'ai commencé déjà quelques temps. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, c'est une série qui malheureusement n'a pas eu beaucoup d'impression en termes de manga, généralement dans les librairies et euh, ventes de manga, ou de livres en général. Dès qu'ils reçoivent un nouveau tome, c'est toujours en trois ou quatre exemplaires, ce qui fait que malheureusement, euh, certains tomes sont difficiles à trouver, surtout les tomes, en milieu de série. Donc là, pareil, entre les premières quinzaines de tomes et la dernière. Voilà, les amis. Donc, pour récapituler au niveau de la vidéo, donc, on a du walana rentom 6. Les carnets de l'apothicaire de chez Manabooks, Enquête à la cour. Le tome 5 de, euh, du Contour du rêve. On a le tome Offer de Machol. Bon, justement, je voulais commencer la série, mais je savais pas quand. Donc là, <laughs> c'est bien. Le dernier tome de school Didi. Enfin, c'est terminé. Alors, je comme ça euh, donc c'est terminée donc ça y est euh, je peux passer à autre chose on a les tomes 4 7 et 8 de yacé no light boss donc il me reste du coup les tomes 5 6 et peut-être 9 je me rappelle plus c'est lequel tome en dernier qui est sorti mais je crois que c'est quand même le tome 9 le tome 11 de rien, de réincarner dans un autre monde, le tome 4 de Toe no j'ai du mal, le tome 10 de The Wanted Undead Adventurer, le tome 3 de Silver Plane, ma seconde chance, enfin un jour avec les tomes 10 et 11 des carnets de la potique, donc des éditions de chez Kune, le tome 12 de Sexy cosplay doll, le tome 6 de Girlfriend Girlfriend et on termine et eh bien cette Parti là, avec les tomes 11 et 12 de Trinity Seven. Donc voilà les amis, petite vidéo, pas mal de mangas à vous présenter dans cette pile. Et nous, du coup, on se retrouve week-end prochain, dimanche prochain, pour une nouvelle vidéo. D'achat manga, allez, c'était Shido et on se retrouve à la prochaine. Salut!